Moi, j'ai envie de faire comprendre que nous sommes mal aimés et mal compris de la profession de santé. Malgré qu'ils nous amènent un rôle primordial de proximité, et nous-mêmes, bien souvent, nous premiers ou derniers contacts, et malheureusement, ils ne comprennent pas comprendre l'importance là. Nous faisons un appel aussi aux autorités pour qu'ils aient voir ça régressivement qu'elle prise en appliquée là. Ça peut impacter nos professions énormément. On a beaucoup et même pensé pour fermer. De l'autre côté, sa façon qu'il peut donner la chance pour opérer une pharmacie, mais c'est pour content qu'ils revoient ça et fait une pharmacie plus droit qu'il y en a dans la profession. Malgré qu'il y a autant la loi qui ont la tête et qui responsabilise les pharmaciens. Cette année-ci, le terme choisi par le World Pharmacy Day, c'est Pharmacy Strengthening Health System. Je trouve bien qu'avec la pandémie du Covid, le système de santé dans le monde entier, il montrait sa fragilité. Même à Maurice, il fait une ressentie, spécifiquement dans le département dialyse et surtout dans les autres départements. Le rôle du pharmacien pendant cette période-là, il montrait à tout le gouvernement dans le monde entier. Et nous, les pharmaciens, nous avons bien nos places dans le secteur de santé. En ce jour, on fait un appel à nos pharmacies board et du département de pharmaceutical service of Mauritius. Et quand je prends une décision, je ne prends pas une décision à la va-vite, je prends une décision pour améliorer et pour prospérer de la profession des pharmaciens et non au détriment de la profession.